La prière du matin. Ô Père, remplis-moi de ta joie et de ton Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, ce matin, je viens encore te remercier pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans ma vie. Merci de m'avoir protégé durant toute la nuit. Je me suis réveillée, ce n'est pas par ma force, mais par ton Esprit Saint, par ta grâce, que tu me fais voir une nouvelle journée. Je te suis infiniment reconnaissante et de tout cœur je dis merci Seigneur Jésus. Père céleste, aujourd'hui, je désire que tu me remplisses de ta présence et de ta joie. Laisse que ta joie jaillisse dans mon cœur, au nom de Jésus. Que je sois rempli de la présence du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, Père céleste, je te désire et prie de tout mon cœur qu'en cet instant, tu remplisses mon être tout entier, mon corps, mon âme et mon esprit, par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. À cause de ta présence, de ta joie et de ton esprit, je déclare avec foi ce jour. Aucune mauvaise nouvelle ne volera ma joie au nom de Jésus. Aucun mauvais propos, peu importe de la bouche de qui cela sortira, ne volera ma joie au nom de Jésus. Ce problème devant moi, ce défi, cette difficulté, cette situation ne volera pas ma joie au nom de Jésus. Puisque ta joie est ma force, je réclame cette force dans mon corps. Laisse que toute faiblesse quitte mon corps maintenant au nom de Jésus. La joie est un bon remède. Je reçois mon traitement de cette maladie incurable maintenant par la joie du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sida, diabète, cancer, mouvements bizarres dans mon corps, toi maladie que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, sois détruite maintenant au nom de Jésus. Que toute tristesse, toute haine, toute colère, toute animosité, toute amertume, tout manque de pardon, quitte mon esprit et mon âme maintenant au nom de Jésus. Je reçois la force divine dans tous les aspects de mon être maintenant au nom de Jésus. Père céleste, que tout fardeau soit ôté du dessus de mon épaule au nom de Jésus. Aujourd'hui, à cause de ta présence, je porte mes vêtements de louange au nom de Jésus. Que tout ce qui me faisait pleurer dans le secret soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui m'attristait tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui me bloquait soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que seule la louange sorte de ma bouche, que seule la joie remplisse mon cœur. Plus de place pour les soucis, plus de place pour les inquiétudes, plus de place pour la haine, plus de place pour le manque de pardon, plus de place pour la peur, plus de place pour le diable, plus de place pour la maladie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci tendre Père céleste. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.